Douleur dans les doigts ici, en fait, ça part de la nuque et ça irradie dans l'épaule et dans ces deux doigts-là. Bon, c'est sûrement une névralgie cervico-brachiale C5, pour être précis. Ça se soigne assez facilement quand on sait ce qu'il faut faire, et sinon on peut galérer super longtemps. Donc le premier truc à savoir, c'est que là, dans cette position-là, ta nuque, elle est relâchée, normalement. Tu peux tenir cette position, et ici, au contraire, tu vas mettre une super pression, ça va pas bien se passer du tout. Tu vois la position? Ça, c'est pas bon, et ça, c'est bon. Faut-il encore avoir suffisamment de muscles? Mais quand on arrive à une névralgie cervico-brachiale jusqu'au doigt, il peut vraiment que la colonne cervicale soit très instable. J'explique tout ce qu'on fait en détail sur ma plateforme de santé en streaming, le Giloflix, le lien est par ici, écrit conseil, je t'enverrai le lien. Si je regarde mes messages, ou les commentaires, c'est en commentaire, pardon. Les commentaires, ouais, parce que les messages, on reçoit trop. Voilà, tu vois que c'est pas si compliqué que ça à soigner, il faut être rigoureux, ça prend entre un mois et demi et 3 mois en faisant les bons trucs. Et j'explique les solutions que moi j'applique au cabinet. Voilà, sur. Appuie sur le machin, va voir sur le lien qui est sur ma bio.